peut parler de réalité augmentée, on peut parler d'écriture collaborative. Il y a effectivement énormément d'outils aussi pour les faire de l'enseignement de manière plus différenciée pour des élèves qui en ont besoin. Mais j'ai apprécié, il y avait un commentaire de quelqu'un dans le public qui disait, en fait, c'est le changement de posture qui est le plus difficile. C'est celui-là qu'on doit faire d'abord. Et puis après, si vous êtes prêt à changer et adopter une autre attitude vis-à-vis de la classe, des élèves, de vos cours, etc., alors à ce moment-là, les nouvelles technologies viennent en support pour vous aider dans cette démarche. Ce qui est frappant à Bruxelles, je pense que c'est vraiment le programme Fiber to the School. Je pense que c'est un programme que beaucoup de villes européennes nous envient parce qu'on met vraiment à disposition de la fibre optique, c'est-à-dire une très très large bande passante pour les écoles. Et puis, c'est aux écoles, quelque part, de se saisir de cet outil pour en faire quelque chose au niveau de leur pédagogie et de leur cursus.